Comprendre ça, s'il te plaît. Il ne m'a jamais fait de mal et il n'a jamais pensé de mal de moi. Et le jour dont on s'est vu, il ne m'a pas fait de mal. Et chez lui, ce qu'il dit, j'ai passé la nuit dans son salon. Pas d'autre chose. C'est vrai ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux oser lui demander pardon? Oui, je vais le faire parce que je sais ce que j'ai dit chez lui. Ce n'était pas de ma propre volonté, ce n'est pas venu de moi et j'ai été obligée de le dire, on m'a forcé de le dire. Et pour libérer une personne déjà qui est contre moi. Et autant sa soeur me pressionnait pour qu'il sorte, de faire toutes les manières pour qu'il sorte de la prison. Et lui, il est en prison à aider les gens à qui je combats de son côté et de leur dire que je suis complice de ce qu'il est et qu'il n'était de rien. Ce que je peux lui le dire, c'est merci de ce qu'il a fait. Et vraiment, ce que j'ai à dire à plus, Marcus ne m'a jamais violé. Il ne m'a jamais connu qui suis-je. Juste, il a été gentil et bon envers moi, pas plus.